Voici l'histoire d'un petit bonhomme, notre ami Robert Caldara di Aldo. Aldo est né le 4 juin 1949 à Grenoble, d'origine italienne de la région des Pouilles, au sud de l'Italie. Tu as été élevé dans un cocon familial rempli d'amour. Entouré de tes 5 frères et sœurs, tout petit, tu racontais déjà des histoires rocambolesques. Et tu as gagné ainsi ton statut de personnage emblématique. Dès l'âge de 16 ans, tu as pratiqué le cyclisme. Tu étais passionné par la course, le vélo, les femmes, les jeux et le monde festif. Tu partais avec ta 403, avec ta bicyclette sur ta galerie pour participer à des courses. Tu as terminé en première catégorie, le plus haut niveau en cyclisme amateur. Dans l'équipe Peugeot, tu as remporté de nombreux grands prix. Toujours ambitieux, véritable séducteur, mais aussi César du meilleur macho, d'où est venu ton surnom Aldo. Tu as ouvert plusieurs établissements, bars, restaurants, pizzerias, dans différents coins de la France. C'est à Val Thorens où tu as rencontré celle avec qui tu vas partager 27 ans de ta vie, ainsi que 13 ans de cohabitation, la jolie Patricia. Tu es un vrai globetrotter. Val Thorens, Courchevel, Saint-Rémy, Égalières et pour finir à Érague où tu te poseras enfin pour y passer le reste de ta vie. Malgré ta maladie et ta souffrance, tu trouveras toujours réconfort auprès de Patricia qui a su avec beaucoup de courage te relever à chaque coup dur et continuer ainsi à t'accompagner dignement. Tu nous faisais vivre un vrai régal en nous racontant toutes les anecdotes les plus incroyables, les unes que les autres. Pendant que Laurent, ton fidèle lieutenant, durant 12 années, transpirait à ta place en cuisine. Très séducteur et teigneux à la fois, tu étais grognon, tellement apprécié par ta clientèle, tes amis, et tu resteras toujours vivant dans nos cœurs, et surtout dans les miens. Tu me manques déjà. Ti amo, Aldo.